L'agriculture ivoirienne a été l'une des plus dynamiques en Afrique au cours de l'année 2018. Avec un excédent de 5,1 milliards de dollars, la balance commerciale agricole du pays a atteint le niveau le plus élevé du continent. Une performance qui s'explique notamment par une augmentation des produits primaires comme le cacao, qui représente jusqu'à 10% du produit intérieur brut ivoirien. S'il y a eu un excédent en ce qui concerne la balance commerciale, c'est dû éventuellement à la vente des produits primaires avec nos clients potentiels, qui sont généralement les pays de l'Union européenne. Donc cet excédent de balance commerciale, chaque année, ça augmente un peu plus. L'exportation des produits agricoles ivoiriens aura permis de générer 7 milliards de dollars de recettes en 2018. Le dynamisme en valeur des exportations de produits primaires est principalement attribuable aux produits de l'agriculture industrielle, notamment au cacao fève, à la noix de cajou, au caoutchouc et au coton en masse. En ce qui concerne les produits transformés, l'élan n'est pas encore une tendance à la hausse. Il faut aller encore plus de l'avant dans la transformation de nos produits. Il ne faut pas qu'on reste toujours au niveau de la vente des produits primaires. Et s'il y a un challenge de transformation, il faut penser à la professionnalisation de l'agriculture. En 2017, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire a enregistré un excédent de 3,2 milliards de dollars, en hausse de 29,7% par rapport à 2016.